Enfin, je voudrais vous remercier de vos paroles et je dois dire que pour la résistance iranienne, l'égalité des femmes et des hommes n'est pas seulement un slogan, mais aussi c'est une pratique très importante. Heureusement, dans la résistance iranienne, nous avons une génération des hommes qu'ils ont accepté volontairement l'égalité des femmes et des hommes en pratique. Et à mon avis, c'est un nouveau phénomène dans le monde pour l'avenir. Et aussi, je dois dire qu'heureusement, nous avons une génération des femmes qui vont accepter en pratique l'égalité des femmes et des hommes. Et c'est pourquoi je pense que votre solidarité, vos efforts et votre amitié, c'est très très important et nécessaire pour ce combat, parce que c'est un combat international, pour avancer, pour développer, pour les valeurs humaines. Pas seulement pour le peuple iranien, aussi pour le peuple dans le Moyen-Orient, et aussi pour le monde entier. Et je suis sûre qu'un jour, on pourra réussir ensemble. Je pense que nous avons beaucoup de responsabilités. Ensemble, nous avons une expression dans notre résistance, et si on veut, on peut. Et je pense qu'on peut réussir ensemble si on travaille les mains dans la main et on peut réussir pour renverser une dictature religieuse. Et je pense que c'est un nouveau phénomène dans l'histoire. Merci beaucoup, encore une fois.